exprimer toute ma gratitude à mon jeune frère Nyamaka Eric, qui m'a invité, et j'ai répondu au pied levé à son invitation. D'abord parce que ce sont des jeunes Ivoiriens, des femmes, des hommes, qui se sont réunis, Génération Verte Tidiane Thiam, pour dire qu'ils sont au-delà des partis politiques. Ils veulent s'engager, ils s'engagent pour la Côte d'Ivoire. Et c'est d'abord vraiment la première raison qui m'amène ici, d'être fier de ces jeunes qui veulent et qui pensent à leur pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, notre échange a porté sur, simplement pour ma part, sur le thème de Tidiane Thiam comme le choix de raison. J'ai brossé simplement les réalités de notre pays. D'abord, j'ai mis en évidence le fait que la réconciliation entre les Ivoiriens n'est pas au rendez-vous. Le président Ouattara et son équipe ont surfé, ont fait la politique de l'autruche sur la question de la réconciliation. Et j'ai mis en évidence qu'il faut aller voir les Ivoiriens partout dans les campagnes, même ici en ville, dans les maisons, pour voir le discours que les Ivoiriens tiennent entre eux. La réconciliation n'est pas au rendez-vous. Ensuite, nous avons mis le doigt sur des réalités que vous connaissez. L'éducation, c'est qui a été le maillon fort de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui le maillon faible. Nous sommes quasiment les derniers en Afrique subsaharienne. La santé aussi, nous sommes au bas de l'échelle. La répartition des richesses, il y a des taux de pauvreté qui dépassent les 60% à l'est, à l'ouest, au nord. Donc on regarde toutes ces choses. En 2025, qui peut nous aider à relever tous ces défis? Moi, j'ai simplement mis en évidence ces réalités et j'ai dit, mon bilan, mon constat, c'est que le président Ouattara et son équipe ont échoué. Pour M. Makori. J'ai eu l'immense plaisir ce matin d'animer une conférence sur le thème qui est M. le président Tidiane Thiam. C'était pour moi une excellente occasion pour partager le parcours d'un grand homme, une brillante personnalité dont le monde entier ne dit que du bien. Monsieur Tidiane Thiam est un modèle d'excellence qui doit être enseigné à la jeunesse ivoirienne et africaine. Brillant parcours scolaire, premier polytechnicien, major de l'école des mines, administrateur de plusieurs sociétés, notamment Prudentia, le Crédit Suisse, à 31 ans, directeur général des grands travaux, Bennett, artisan de la Côte d'Ivoire et des grands projets de l'éléphant d'Afrique, ministre de la planification, et j'en passe. Toute cette riche expérience, autant à national qu'à international, ce monsieur est aujourd'hui prêt à se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Il a déjà pris les rênes du président CIRDA. Il ambitionne d'être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une chance inespérée. Avoir autant de compétences, autant de qualités, autant de réseaux et avoir cette dimension internationale, c'est pour nous, pour la Côte d'Ivoire, une chance. Vous savez que le président Tidiane Thiam est sollicité de partout, au Rwanda, en Chine, même avec le pape François. C'est un homme accompli, un homme dont la Côte d'Ivoire ne saurait se permettre de ne pas avoir à sa tête, car c'est une chance. Et nous sommes tous heureux que le président Nyamaka et son équipe, et moi j'ai une fierté d'être là aujourd'hui, parce que ce ne sont pas des militants du PDCIRDA, ce sont des jeunes volontaires qui savent où se trouve l'intérêt du pays, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et qui à l'unisson ont bâti le rappel des troupes pour que nous soyons là, pour leur enseigner ce que c'est que la vérité, où se trouve l'excellence et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit faire pour sortir du sous-développement pour un pays émergent comme on l'a toujours souhaité. Je voudrais leur dire merci pour leur détermination. D'abord, tous ces experts qui viennent de parler, on n'a pas besoin d'être économiste pour relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous savez,
quand souvent, vous êtes en train de jouer du football au quartier, et puis toujours tellement bien que les gens disent, tu dois aller jouer dans un club, tu dis non, pour moi c'est une distraction. On n'a pas besoin d'un économiste. C'est pour ça que le président Tidiane Thiam dit, je suis ingénieur. C'est trop bas. On ne peut pas être économiste et puis embêter son pays comme ça. C'est pas bon, c'est méchant. Voici la réalité de son message. Pour nous, quand on regarde ça, il est bon d'apprendre auprès de ce monsieur de savoir pourquoi. Quand on le voit un peu sur tous les plateaux, sur toutes les chaînes, il ne parle que d'économie. Mais on dirait que l'économie, pour lui, c'est un jeu. Mais pour lui, la Côte d'Ivoire a besoin plus de ça. Ça, là, c'est déjà un atout pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi être ingénieur, c'est devenu savoir, c'est devenu aujourd'hui, là, pour dire à nos amis, au-delà de l'économiste qu'il est, c'est trop petit pour lui. C'est l'ingénieur, là, maintenant, on veut connaître. Et l'ingénieur doit nous apprendre à savoir et à marcher. Et pour demain, nous tous, nous serons ingénieurs au pays ici.